vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter mes bijoux Victoria. Victoria, c'est une entreprise, voilà, internet et qui fait aussi des démonstrations à domicile, enfin des démonstrations, des présentations de leurs bijoux à domicile. C'est comme ça que j'ai découvert la marque. Et maintenant, je n'achète plus que des bijoux Victoria que j'achète avec Ludivine. Je te mets son lien de sa page Facebook en barre d'infos si tu voudras aller commander avec elle parce que, voilà, c'est celle avec qui je me réfère à chaque fois que j'ai envie d'acheter un petit bijou. Franchement, le prix est hyper raisonnable. En tout cas, ce sont des bijoux qui tiennent, voilà, qui tiennent vraiment comme de l'argent. C'est de très très bonne qualité. Moi, j'ai mes bijoux depuis plus de 1 an, voire même 2 ans, depuis que je commande avec elle. Victoria propose vraiment une large gamme de bijoux, que ce soit en couleur argent, doré, rose gold, des choses comme ça, plus colorées ou alors avec du noir aussi. Franchement, c'est juste magnifique. C'est pour ça que moi, j'achète tout le temps là-bas. Et voilà, tu vois que les prix sont vraiment raisonnables. Et moi, je profite tout le temps des bons plans que Ludivine me dit qu'il y a en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté quand même pas mal de bijoux chez eux. Donc ils font vraiment de tout, hein. Des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des bagues, des montres, des bracelets de cheville également. Et je pense que j'en ai peut-être oublié, mais voilà, ils font vraiment de tout et pour tous les goûts et à tous les prix en fait. On peut commencer à acheter une paire de boucles d'oreilles par exemple à 19 euros. Donc c'est vraiment très très raisonnable. Bref, de blabla, je vais te montrer maintenant ma collection. Donc pour commencer, tu les as vus maintes et maintes fois dans mes vidéos. Mais c'est une petite paire de boucles. En fait, c'est une parure du collier avec la petite paire de boucles. Je te mettrai à chaque fois les prix juste ici. Mais voilà, ça c'est vraiment un incontournable. Les petits diamants, voilà, avec le collier, les boucles d'oreilles. Tu mets ça tous les jours et ça passe tranquille. Donc quand on achète les bijoux, on reçoit dans des petites boîtes comme ça, hyper jolies avec marqué Victoria juste ici. On a bien entendu le petit sachet en organza avec, et ça c'est hyper bien de l'avoir, c'est le certificat d'achat. Voilà, il y a marqué exactement la référence du produit à l'intérieur, quand est-ce que tu l'as commandé, ce que c'est aussi. Donc la parure là, je l'ai achetée le 7 mars 2018. C'est pour te dire à quel point et je me lave avec, je dors avec et ça ne bouge pas. Donc, ça c'est en acier rodier. Alors voilà, c'est ça comme comme matière au niveau des bijoux et ça tient hyper bien. Ça fait 2 ans que j'ai ça et ça n'a pas du tout bougé. Donc ça c'était les premières boîtes qu'on avait et maintenant ils sont passés à des boîtes comme ceci, un rose poudré, j'aime vraiment beaucoup. Et donc à l'intérieur quand on l'ouvre, tac tac tac, on a par contre cette fois-ci le petit sac en organza blanc avec le petit liseré comme ça, vieux rose avec marqué Victoria dessus. Et on a le bijou, voilà, toujours avec le certificat d'achat à l'intérieur qu'il ne faut absolument pas perdre. Donc c'est parti, allez, je te montre tous les bijoux que j'ai achetés. Tout d'abord, je me suis acheté cette petite paire de boucles d'oreilles de perles plates. Sauf que malheureusement, j'ai perdu la deuxième. Voilà, donc elle ne me sert à rien. Mais je la garde quand même au cas où que je retrouve l'autre un jour quelque part dans mes affaires. Encore une autre paire de boucles d'oreilles comme ceci. Cette fois-ci, voilà, c'est fermé sur les côtés. On ne voit pas de diamant sur les côtés, c'est juste comme ceci. Mais franchement, c'est hyper joli aussi. C'est la base des bijoux qu'il faut avoir. Si tu veux un petit peu regarder les catalogues, que ce soit la collection de 2020, le summer 2020 ou l'automne 2020, je te mets les liens en barre d'infos. Alors là, la chaîne, c'est pas une chaîne de chez Victoria, mais regarde-moi cette beauté. C'est une goutte avec des cristaux incrustés sur le bijou. Autre paire de boucles d'oreilles que je n'ai pas besoin de présenter, tu les as vues tellement de fois portées, voilà, c'est cette fois-ci en couleur or. J'aime vraiment beaucoup avec la petite pampille, le petit pendentif comme ça là. Je trouve que pour l'été, c'est hyper joli, voilà, ça fait des petites créoles. J'aime vraiment beaucoup, je les porte très très souvent l'été. Passons cette fois-ci à ce joli petit bracelet avec des petits strass.
Voilà, sur tout le long. C'est normalement le bracelet que je vais porter à mon mariage. Et voilà, petite chose qui est sympathique, c'est qu'il y a une petite pampille juste ici. Alors, je ne pense pas que je vais pouvoir te faire montrer plus que ça, mais il y a marqué Victoria dessus. Donc, c'est gage que ce soit bien un bijou de chez Victoria. Et il est juste magnifique, très très fin, couleur argent, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très fin, ça brille. Voilà, tout ce que j'aime. Alors pareil, autre paire de boucles d'oreilles, celle-ci, c'est celle que je vais mettre à mon mariage. Regarde-moi cette petite merveille. Elles sont tellement jolies, tellement délicates, très chic. Voilà, avec toujours les petits cristaux juste ici. Je les aime trop. Et donc, pour les attacher, il y a forcément la petite protection comme ça en silicone derrière. Mais voilà, je les aime trop. Je sais que c'est très très chic, très fin, très voilà, très élégant. C'est tout ce que j'aime. Donc c'est celle que, ça c'est sûr, je porterai à mon mariage. Pour te dire à quel point je suis confiante dans les bijoux de chez Victoria, vu que je prends les bijoux pour mon mariage sur le site. Donc franchement, n'hésite pas. Je te conseille à 100% d'acheter les bijoux Victoria. En plus, moi qui ai un problème de... Voilà, je suis allergique au niveau des oreilles, au toc. Et franchement, les bijoux Victoria, jamais rien à redire. J'ai jamais eu d'allergie. J'ai également ce bracelet que je porte depuis le 1er juin 2019 et que je n'ai jamais, jamais, jamais enlevé. Je dors avec, je me douche avec et tu peux voir que la qualité est là. Il y a juste la petite perle, voilà, le brillant qui a un petit peu, voilà, été abîmé de la perle, mais sinon le reste, rien à redire. Alors que ça fait quand même beaucoup plus qu'un an que je le porte continuellement. Comment te dire que il n'y a pas meilleur exemple pour te dire que la qualité de chez Victoria est juste dingue. Donc voilà, ça fait plus d'un an que je l'ai et il est toujours pareil, toujours aussi beau. Autre collier que tu connais bien de chez Victoria que je porte tout l'été, il s'agit de celui-ci. C'est le petit croissant de lune, voilà, doré. Je crois que le doré, je mets ça plus l'été et l'argent plus l'hiver. Toujours avec la petite pampille qui montre bien que c'est un bijou de chez Victoria. Et dernier bijou, il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles. Pareil, j'ai perdu la deuxième. Je sais qu'elle est pas très loin, mais je sais pas où exactement. Donc voilà, il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles un peu créole comme ça en argent. J'aime vraiment beaucoup et je suis vraiment tellement dégoûtée d'avoir perdu celle-ci. Et pareil pour l'autre boucle d'oreille aussi, perle plate. Mais voilà, du coup, tu vois qu'il y a quand même pas mal de choix sur le catalogue, voilà, sur le site. Tu auras vu toute ma collection. Je pense que c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, tu as vu qu'il y avait une large gamme et vraiment pour tout le monde, que ce soit au niveau des prix, des couleurs, des formes, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vu que Noël arrive très prochainement, voilà, on est encore un petit peu loin, mais ça arrivera vite. Un cadeau comme ça pour Noël, une paire de boucles d'oreilles à 30 euros, on se ruine pas et en plus ça fait hyper plaisir et ça dure très 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 longtemps. Moi je sais que j'achète aussi des bijoux pour ma famille quand il y a leur anniversaire ou autre. J'ai acheté pour ma part un bracelet de cheville à ma petite sœur qu'elle a adoré. Elle trouvait ça trop trop beau et même si c'est un bracelet de cheville pour l'été, généralement elle a dit qu'elle allait le porter tout de suite. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo de ma collection des bijoux Victoria t'a plu. Ce n'est pas un partenariat, je tiens à le préciser parce que peut-être que des gens pourraient croire que vu que j'ai présenté autant de bijoux, c'est un partenariat, mais non, pas du tout. Ce sont exclusivement mes achats et je ne suis pas payée pour en parler. Voilà tout. Mais en tout cas, voilà, si les bijoux t'ont plu et si tu as peut-être une idée d'acheter un bijou pour une personne de ton entourage, le lien de la page Facebook de Ludivine sur les bijoux Victoria est en barre d'infos, bien entendu. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Les liens sont en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là et tu auras ma dernière vidéo juste ici et quant à moi je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!